Mon look aujourd'hui, c'est une petite robe, enfin robe, jupe. Merci. Coucou. Aujourd'hui, c'est déballage. Coucou Angélique. Comme j'ai expliqué... C'est long, plusieurs jours sans live. Oui, mais ça fait du bien. Merci. Oui, Malone, ça va. Bah, comme j'ai expliqué quand j'ai publié le menu, en fait, le menu, le planning, les enfants sont pas là. Et donc, du coup, comme je vous ai dit, c'est vrai que bah, c'est moins utile, en fait. Parce que des gâteaux tous les jours, bah en fait ça va me rester sur les bras et personne va les manger, donc c'est un petit peu con. Et puis bah moi j'aime pas le gâchis, donc oui, tu le dis rouge à lèvres. T'as vu, j'ai une meilleure tête que pas maquillée, hein. En visio le matin de bonne heure, enfin de bonne heure non, mais le matin c'est pas la même. Coucou Mika, c'est bon, t'as accroché ton tableau correctement? Donc voilà, cette semaine je me suis dit, bon, pas de gâchis, donc je vais pas faire des gâteaux tous les jours. Donc j'ai essayé de trouver des petits thèmes. Et ça tombe bien parce que j'ai réussi une commande. D'ailleurs, Nono, tu vas être contente. Et puis voilà, donc on va commencer. Ah, t'es déjà en live ? Bah oui. Ah bien, bah, tu t'es réveillé, t'as lancé à la ronde ? Oui. On va arriver. Déjà ça, on peut mettre de côté. Alors, ma jolie commande. Alors déjà, nous avons pour Nono le moule mini bûchette. Moi aussi, j'ai reçu ma commande Guy de Marle ce midi. Bon, parfait. Moi, c'est hier qu'on l'a reçu. Ensuite, nous avons, je vous en avais parlé, le découpoir. Donc, j'ai le même en tout petit que j'utilise pour les mini tartelettes. Donc, celui-là. Et là, du coup, j'ai pris le grand. Voilà. Un petit peu plus pratique quand je veux faire juste des sablés ou des trucs comme ça pour avoir... la taille un peu au-dessus. Ici, je reçois donc le moule cake. Parce que au final, j'ai remarqué l'autre fois en voulant faire un cake que je n'ai pas de moule cake basique. En fait, c'est soit un cannelé, soit un sapin, soit... Enfin, j'ai toutes les formes de cake, mais je n'avais pas le cake basique. Donc voilà, je me suis dit, bah, je vais quand même le prendre parce que c'est sympa aussi. Voilà. Ensuite, donc ça c'est également une commande pour quelqu'un. Donc le tapis, le nouveau petit tapis décor. Il est super beau. Hop. Coucou Julie. Celui-ci, je l'ai pris pour moi. Le tapis décor poids. Il est super beau. Donc il va avec celui-ci, donc le moule carré. Vous voyez, hop, on le met comme ça là. Et après, on fait notre préparation, notre entremets, ce qu'on veut. Et j'ai trop hâte de l'utiliser. Je me demande si je ne vais pas le prendre pour faire le gâteau de Léo. Parce que Léo fait son anniversaire à la maison. Mercredi, pas demain, mais la semaine prochaine. Donc je me dis que ça peut être sympa. Un beau petit gâteau avec... je sais pas, il faut que j'essaye. Je vais peut-être faire un test déjà d'avant ce week-end. Je sais pas, mais je préfère faire un test avant, comme la Charlotte d'ailleurs. Oui, bah justement, là aujourd'hui j'avais mis inventaire. Parce que du coup je vais aller chercher tous les moules que j'ai. Ah, on est mercredi, c'est demain. Demain c'est jeudi, d'accord. Donc bah, pas aujourd'hui, la semaine prochaine.
Ouais, all dressing à moule, exactement. Donc voilà, je vais pouvoir faire le test donc avec le moule carré et mon beau tapis décor. Et voilà. Ensuite, regardez le moule œuf chocolat. Enfin, le moule œuf, mais pour faire des petits œufs chocolat. Enfin, des petits gros d'ailleurs. Et je pense que ce sera la semaine prochaine. On testera ça en live. Ensuite, la nouveauté également, le moule céramique. Il est magnifique. Vous verrez peut-être un peu mieux ici. Donc en fait, il y a plusieurs formes différentes. Je crois qu'il y en a 3 ou 4 des formes, enfin des motifs différents. Il est juste super beau. J'ai trop hâte de tester. J'ai trop hâte. Je l'avais vu déjà en formation et je m'étais dit il est canon. Ensuite, nous avons le moule mini muffin. Ensuite, mon fameux séparateur à blanc d'œuf. Ça, je vais être contente de le tester aussi. Coucou Mélanie, je trouve que les lives TikTok manquent de oui. Ouais, je trouve aussi. Ensuite, j'ai mon coupe-pomme. Ça va être pratique pour les enfants parce qu'ils aiment bien manger des pommes le soir. Alors du coup, je pense qu'ils vont être contents. Ils vont pouvoir tester ça. Faut juste que je capte comment ça fonctionne. Je pense qu'on met juste, à mon avis. Alors, est-ce qu'on fait ça ou ça? Je n'ai jamais utilisé de coupe-pomme. Hein. Ne vous moquez pas de moi. On peut aussi préparer des potatoes, découper des courgettes rondes. La pomme entre les deux. Moi, je dirais qu'on met la pomme ici. Et après ça, j'appuie. Non, je pense. J'ai envie de tester. Est-ce que vous avez envie de voir? Bon, je vous demande, mais en vrai, c'est moi qui compte. Donc, si j'ai envie, ben, je le fais. Donc, je mets ça là. Et ça, est-ce que vous voyez? Ouais. Oh, trop bien. Et mais ouais, c'est super pratique. Attends, j'ai pas été jusqu'au bout. Oh, c'est trop bien. Regardez, ça t'enlève, hop. Et après, t'as tes... Putain. Ça va être trop bien. Ah non, c'est trop cool. Je donne des cours pour apprendre. Mais c'est trop bien. Regarde, hop. Tu vois ça pour les enfants? Attends, je suis pas allée jusqu'au bout. Ah oui, parce que là, il y a le petit... D'accord. En fait, il y a les petites fentes. J'avais pas vu. Ah, ok. En fait, il faut bien aller jusqu'au bout des petits trucs. C'est trop bien. Bon, les enfants, je pense pas qu'ils puissent l'utiliser tout seuls parce que c'est quand même un peu... voilà. Mais, vous voyez? Oh, c'est trop bien. Même pour les tartes aux pommes. Alors, le coupe-pomme, je vais te dire.
Il est à 21,90€. Bah grave, ils veulent une pomme. Et en plus, ce qui est cool, c'est que direct, bah t'as le trognon de pomme là qui est... Oh merci Sana, Sana Dina. Oui, ça évite les bouts de doigts qui restent sur la table. Non, mais c'est super bien parce que souvent quand tu fais genre une tarte aux pommes, c'est chiant et de devoir couper le milieu, t'as toujours l'impression d'enlever trop. Et là, les morceaux, ils sont vachement réguliers. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est trop bien. Je suis très contente. Voilà. Alors, il suffit de vous rendre sur la boutique en ligne Guy de Marle et de taper soit dans la barre de recherche coupe pomme. Et là, vous ajoutez au panier. Vous n'oubliez pas de m'ajouter en tant que conseillère en tapant Laura CZA. Et voilà. J'ai aussi commandé du coup des sacs, n'est-ce pas? Donc voilà, premier petit inventaire donc, que j'ai reçu en cadeau. Alors le moule céramique, le moule œuf, le moule carré avec la toile décor, le moule à cake, le coupe-pomme, le séparateur blanc d'œuf et le découpoir cannelé. Donc tout ça, c'est cadeau. Voilà les cadeaux de cette commande-là. Parce qu'au final, je ne peux même pas dire la commande de ce mois-ci parce que j'ai déjà eu d'autres cadeaux que j'avais commandés. Donc, ouais, le moule céramique en silicone, exactement. Du coup, bah, on peut rajouter ça à la collection.